Hey yo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Miles Morales, Spider-Man Miles Morales, pour l'épisode 2. Dans le premier, ça a été tout simple, hein. On a fait donc la découverte du gameplay, surtout du nouveau gameplay lié au pouvoir de Miles Morales, en affrontant le premier ennemi, qui est tout simplement le Rhino. On a dû affronter le Rhino. Et au final aussi, donc Peter nous a offert un cadeau avec un nouveau costume, mais nous on a mis celui-là, celui de New Generation, qui est, on va dire, un film d'animation. Oh, on voit Spider-Man vs Vulture, donc le vautour, sur la caisse à droite. Et donc maintenant, Spider-Man est parti en vacances avec Mary Jane, et nous on va devoir donc protéger New York à nous seuls. Tout simplement. Donc là, nous, on devait aller là. J'ai cru qu'on devait voir notre mère, mais on ne dirait pas. Donc, ok. Je sais pas ce que c'est. Miles, que tu sois prêt pour ton tout premier entraînement holographique. Il y a des défis dispersés un peu partout dans la ville. Chacun permet d'apprendre de nouvelles techniques. Ici, on se concentre sur l'improvisation acrobatique. Positionne-toi pour commencer. D'accord. Combien combat aérien? Les ennemis et les armes de mêlée peuvent être parées. Ok, donc faut maintenir. Donc c'est à peu près comme les combos de l'ancien Spider-Man. On pouvait faire ça. Alors, coup de pied latéral. Appuie sur A pour sauter. Et maintenir B. Ok, donc... Oh, pas mal. Tu fais ça? Ok, ça dégage. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Projection aérienne, donc ça on s'en souvient, pour parer les gens qui ont des boucliers. Ou qui se défendent. On va se mettre là maintenant, allez. Qu'est-ce qu'il voulait comme entraînement? J'ai pas vu. Pour désarmer. Parce que si on fait une fois, on maintient ça, on appuie une fois. Et si on maintient, on lui vole son arme. Et on lui met dans la gueule. C'est trop bien. Il va falloir vraiment se souvenir de tout. Maintenez donc une projection aérienne. Ok. Et on le saisit pour le taper. Oh, ça c'est cool par contre. Donc faut s'en souvenir. Donc ça, imaginons, c'est pour désarmer. Là, imaginons, lui, on le fout en l'air. On maintient. Et on fait une projection. Ok, c'est super cool. Ça c'est bien. Appuyez sur LB pour un électromarteau. Lui on lui fait un coup de grâce déjà. Ok, on peut se servir de tout et n'importe quoi. Et ça, ça dégage. Ok. Non, mais c'est cool l'entraînement. Il nous apprend des bons combos. C'est un bingo. Les grands bleus de la mort. Plein de matériel high-tech qu'on peut refaire. Oh non. C'est Spider-Man. Descendez-le et prenez le matos. Alors là, voilà l'électromarteau. Toi, on te met KO. Je
On a le coup de grâce. Oh non, mais les hologrammes, qu'est-ce qu'ils font? Même les hologrammes sont en train de se mêler du fight, là. Ah. Peter, ton truc, il bug. Il est en train de fighter avec contre moi aussi. Merde, je voulais pas le faire contre lui. Ok, faut vraiment être au corps à corps. Donc lui, il dégage. Ah, mais... ce truc-là... toi, tu dégages aussi. Et voilà. Bah ouais, non, mais le truc de Peter, il bug. Bah ouais, il bug ton truc, Peter, regarde! Le circuit AFK. Kernel en détresse. Je vais relancer le BIOS. Super. Ça a marché. On dirait que Pete a préparé des épreuves de furtivité, de voltige et de combat. Faudra que je regarde quand j'aurai un peu de temps. Ah ouais, aller dans toute la ville pour trouver des jetons. Je crois que ça donne des jetons, ces trucs, hein. Ok. Bon, bah au moins, ça c'est cool. On gagne de l'XP. Peau neuve. Eh, tu pourrais faire un tour par Roxen Plaza avant de rentrer. Je viens juste de passer devant et je crois que quelqu'un est entré par effraction. Ah. Ouais, je vais aller voir. Bon, je veux tout savoir sur ton nouveau speeder pouvoir. Je crois que c'est une espèce de charge bioélectrique. Ou d'électricité statique ultra concentrée. Waouh, il faut qu'on lui trouve un nom. Merde, j'ai fait le truc bioélectrique pour rien. Nouveau mode de tenue débloqué, intouchable. Ah, il faudra qu'on regarde. Bah oui, ça claque la puissance bioélectrique, frérot. On va aller voir, donc, soi-disant, donc... appuyer sur L dans les airs. Ah, ça permet de plonger et prendre de la vitesse, c'est cool. Ah oui! Franchement, ouais, ça va être trop. On fait ça. Ah. Bonjour, je suis Simon Krieger. Et cette chose à côté de vous est un réacteur aniforme. Une fois activé, ce réacteur fournira suffisamment d'énergie pour alimenter tout Harlem. J'entends d'ici vos questions. Simon, comment est-ce possible? Ma réponse, c'est le Nuform. Une seule bonbonne de cette invention révolutionnaire suffit pour fournir Harlem en énergie propre et sans danger pour les 5 prochains siècles. Bientôt, nous installerons des réacteurs à travers Manhattan et ensuite dans le monde entier. Tenez-vous prêt pour une planète qui carbure au Nuform. Roxxon, nous sommes là pour vous. C'était quoi? Tu sens que son truc au Nuform, eh ben, ça va, il va avoir une couille dans le pâté. Tu sens. Il y a l'air d'avoir personne surtout. Il y a l'air d'avoir personne. Faut juste qu'on visite. Ah, il y a un truc à faire ici. Ils ont fait une recherche plus forte. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire à... LB plus... ah bah oui. Ok, le point c'est ça. Le point est plus simple à faire que le marteau en termes de souvenirs.
Quand tu fais un petit finish dans ta gueule. Alors normalement. Voilà, ça c'est le coup là. Ok. Il y en a qui sont là-haut. Ouais, la bioélectricité, de toute façon, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'il faudra faire. Donc lui, il est KO déjà. Toi, on va te faire un coup de grâce. Ouh, magnifique coup de grâce. Toi, on va te faire ça. Ok, le coup de poing, c'est ça. Faut que je me souvienne. C'est le marteau qu'il va falloir que je me souvienne. Spider-Man est blessé. Bah, Spider-Man s'est soigné. Oh! Oh la pouf! Elle s'est barrée. Attends, mais elle s'est barrée où? Il y en a une que j'ai fait tomber. Ok, bon bah on remonte au final. T'es à la Plaza, oui bien sûr. Oula 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 oula. Ah, le manger est bientôt prêt. Ma mère va me ralasse. Donc il faut que j'aille, faut que je me dépêche. Ah, ma mère m'attend pour bouffer. C'est urgent les amis hein. Ah, toi t'as des points toi. Donc toi je te détruis. Je te mets un coup de rase dans ta gueule. Ça dégage instant. Attends, je voudrais utiliser l'autre combo qu'on a fait tout à l'heure. Celui-là. Au sol, je t'éclate. Wow, wow, wow. Toi, tu mets un coup de grâce dans ta gueule. Bio-attaque. Voilà. Dans ta gueule, toi aussi. Allez, au sol, couché. Allez, vas-y, je te fais un petit coup de grâce, c'est gratos, c'est pour Bibi. C'est de la part de Bibi, plutôt. Ça dégage ça aussi. Et on a là-haut. On se régène un peu les vies, on en a besoin. Un coup de grâce pour toi, comme ça au moins, on en termine. Une esquive, bio coup de poing dans ta gueule. Ils sont costauds ces vilains. Voilà, au moins j'esquive ton coup. Tu m'embêtes pas. Ouh, ça c'était beau, la glissade, allez. Couché. Ah ouais, regarde-moi, je te fais ça, mec. Je te fais ça. T'es capable de quoi avec ça? Oh, ah, il reste encore lui. Oh, pas mal. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça. Voilà, comme ça, je te colle. Et là, tu fermes ta gueule, maintenant. Alors, il faut que j'aille où, maintenant? Ah bah, juste ici, de l'autre côté. Ouais, c'est bon, hein. Une vitre de cassis ou plus ou moins, c'est pas grave. Il suivait des cargaisons de Nuforme. Mais pourquoi? Les gardes de Roxxon, ils s'occuperont du reste. Je m'occuperai de ça plus tard.
Bon, il est temps d'aller voir notre mère. Parce qu'elle nous attend, elle se demande qu'est-ce qu'on fait, donc il faudrait y aller. Bah oui, là, il faut qu'on y aille manger. Manger, c'est sacré. Donc, un, on va miam. Il fait trop froid pour se changer dehors. Ouais, on s'est fait beau gosse. Tiens, la remise des diplômes du collège. Ça fait longtemps qu'on s'est pas revus. Ah, c'est son père qui est dessus, non, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est son père qui est dessus. Hein. Alors, on va aller voir la maman. Elle doit être là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, un peu de sauce. Je vous nettoie ça en 2 secondes. Et voilà. T'inquiète, mec. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, mami. On a de la visite ce soir. Tu pourrais arranger l'appartement? Oh, et mettre une petite musique d'ambiance? Ah, Nadia. Quoi? Ta directrice de campagne le soir du réveillon? Le rassemblement ne va pas s'organiser tout seul. Merci de tout mettre en place, Mijo. Allô? Nadia, on a obtenu l'autorisation pour demain? Oh! Mais il a foutu de la sauce partout, le gros cochon! C'est Brooklyn sans une seule tache. On déménage à Harlem. Ça doit être un signe. Oh non, il a abusé, il a fait de la merde. Pas de vinyle. Hé, hey, maman, ils sont où les disques de papa? Ils doivent être dans ma chambre. Merci. Ok, bon, bah, on va aller dans la chambre de la mère. Maman non plus a pas fini de déballer ses affaires. Ah ouais, maman est très bordélique. C'est trop à boire là. Ah ouais, maman est bordélique. Maman a dû en commander près d'une centaine, parce que l'article parlait de papa. Ouais, Spider-Man. Et il y a Spider-Man dessus. C'est quoi ça? Oh maman, si tu savais. Ça a dû atterrir dans le mauvais carton. Un vieux dossier de police de papa. C'est qui le rôdeur? Non! Alors, dans un des univers, je sais pas s'ils sont tous comme ça. Mais dans un des univers, pour ça que je précise en cas où, parce que je suis pas sûr à 100%, le rôdeur... Je me demande si papa l'a attrapé. Le rôdeur, c'est l'oncle de Miles. Mais je sais pas si c'est dans tous les univers, j'ai avec Miles. Plongé dans tout ça depuis l'hôtel de ville. Mais le rôdeur, c'est lui. C'est l'oncle de Miles. Lequel qui me tente? Bah, allez, celui-là. L'album préféré de papa. Il le mettait tous les dimanches en faisant le café. Eh ben, on va prendre ça. C'est celui de papa. Détergent borax, percarbonate, carbonate de sodium. Ah, il est en train de chercher pour pouvoir nettoyer la tâche. Meilleur disque de tous les temps. Au moins, ça écoute encore du vinyle. Et ça, c'est bon. Tu vois que c'est des bons. Ton père m'a appris à l'apprécier. Ah, d'accord. En fait, grâce à papa, t'aimes bien le jazz. Non, rien. On parlera de ça plus tard, d'accord? Nadia, je suis là. Ok, ok. On parlera de ça plus tard. Là, il y a le... Ah ouais, on peut allumer le sapin? Vas-y. Le sapin de papa a tenu le coup. Oh, trop classe. Il y tenait énormément. Un vrai Noël, c'est un Noël à Brooklyn. Ça me manque de l'entendre dire ça. Ah, ça sonnait la porte. Bien sûr. Bah ouais, mais Miles, il veut bien y aller, mais il faut... Ah, mais je crois que c'était une salle fermée, mais en fait, non, c'est la porte. Finn ? Salut. J'ai réparé ta sonnette. Ça me fait trop plaisir de te voir. On s'est pas vu depuis... Des mois. Il y a eu du changement. Ouais, ça c'est sûr. C'est notre invité d'honneur. Rentrez tous les deux. Le dîner est presque prêt. Finn,
Je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Merci de m'inviter, Madame Morales. Tu nous as manqué. À lui en particulier. Ah, salut. Finn, voici Ganki, mon pote du lycée Brooklyn Visions. Ganki, voilà Finn, ma meilleure amie. Enfin, avec toi. Ah ouais, vous avez gagné le concours de sciences au collège, c'est ça? Vous aviez fait un... Convertisseur d'énergie. Chips. L'électricité dans ce bâtiment est une catastrophe. Je vérifie le disjoncteur. Gracias. Alors? Allez, go. Fait bien qu'il se passe quelque chose de pas bien. Et je parie que ça va pas suffire. Il va avoir une couille dans le pâté. Le coupe-circuit est pas alimenté. C'est coupé dans le pâté. Ouais. Fallait s'en douter. Sur l'escalier de secours, au cas où. D'accord, chérie. Mais fais attention. Ouais, fallait s'en douter. Il va avoir quelque chose, non? C'est obligé, hein. On peut sûrement pas atteindre le transformateur en passant par là. Ouais, c'est collant. Ah ouais, il est chaud. Pour chercher des indices. Ok, donc il faut maintenant passer par là. Tu vois dans tes vols, en moi ? Il y a des gens sur toi. Je peux pas monter. Ouais, dans tout le quartier. J'espère que personne ne peut me voir là-haut. Regarde pas par la fenêtre. Regarde pas par la fenêtre. Enfin, personne peut te voir, il y a des gens quand même qui sont dehors, hein. On vient de voir une personne qui est dehors. Hein. Est-ce qu'elle peut sauver le repas de Noël? Allez, ça a marché. Il y a un peu trop de lumière. J'y avais pas réfléchi. Je dois rentrer en vitesse. Ouais, on va passer par là-haut. Donc faut que je me souvienne, ouais, c'est les mêmes touches là quand il a tapé pour la bioélectricité. Tu gères Ganki. Allez Ganki. Miles est toujours dehors? Et si on prenait une photo? Maintenant? Ouais, parce que les bons moments, faut les immortaliser. On n'attend pas Miles? Non, il a horreur des photos. Allez, rapprochez-vous de moi. Prêt? Super, c'est magnifique. Oh, tiens, Miles. On passe à table? Vous pouvez aller vous asseoir, je m'en occupe. Ça sent bon. Finn, raconte-nous un peu ce que tu deviens. Toujours dans ton club de robotique? Je l'ai quitté. Mais j'étudie la biotechnologie de mon côté. Crâneuse. Oh, tu peux parler? Tu portes une cravate pour aller à l'école. Hé, hey, seulement les mardis. Ton frère Rick travaille toujours chez Roxanne? J'arrive pas à croire que des gens travaillent encore pour eux après votre campagne. Vous avez vraiment démoli Simon Krieger. Ça me fait penser... Ganki, les réseaux sociaux, c'est ta spécialité, non? Tu peux faire circuler l'info pour le meeting de demain? Ouais, à minuit, on parlera que de nous. Parfois, on dirait que c'est Simon Krieger, mon véritable adversaire. Roxxon a une influence énorme ici, mais ils ne rendent de compte à personne d'autre qu'à leurs actionnaires. Il nous faut quelqu'un qui se batte pour la communauté. Ça, c'est maman en mode politicienne, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Est-ce que vous voulez relire ça avant que je le publie? Oui! Ne touche à rien! Est-ce que t'as des soucis? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, t'as l'air... je sais pas... préoccupé. Est-ce que tu veux m'en parler? Pas ce soir. C'est Noël. T'es pas trop triste d'avoir quitté Brooklyn? Franchement, ça va. Ah, t'as le cafard? Non. Traduction, je suis triste, mais je suis trop gentil pour le dire. Non, c'est juste que je connais personne ici. Et en plus, je suis toujours obligé de demander mon chemin. Faut trouver un bon restaurant, un bon coiffeur et un terrain de basket. Tu t'adapteras. Sinon, ça te dirait qu'on se voit demain? Nous deux, tranquille. T'es sûr que t'as le temps? Oh, c'est les vacances.
Je peux passer au moins une semaine sans faire des devoirs. Ok, je t'appellerai. J'ai trop hâte. J'ai hâte qu'on se voit entre amis. Je vois que t'es toujours aussi douée avec les filles. Miles! Quoi? T'es réveillé? Non. Je suis resté debout toute la nuit pour créer une appli pour ta tenue. Elle a un système d'exploitation de malade, j'ai jamais vu ça. Mais je l'ai passé dans un désassembleur pour décortiquer l'architecture du plugin et... Ah, tu viens de te rendormir, pas vrai? Miles! Je dors pas. J'ai presque fini de la compiler. Et voilà. Tu veux essayer ma nouvelle appli? Ouais mec, quand tu veux. Je suis connecté à tes analytiques. C'est parti pour le test. Ok. Je peux voir tout ce que tu vois. Comment tu fais pour pas gerber tout le temps? Avec beaucoup d'entraînement. Yes, maintenez pour l'appli d'araignée sympa du quartier. Non. Ah, c'est maintenez. Bienvenue dans mon application araignée 1.0. Elle permet aux New Yorkais de demander directement de l'aide et de signaler les crimes en cours. Chouette l'interface. Merci. Oh, regarde, quelqu'un vient de faire une demande. Ah ouais, sélectionner la mission Harlem non desservie. Et il y a même les crimes. Vas-y, on la sélectionne. Harlem non desservie. La demande provient d'un certain Aaron Davis. Hein, quoi? C'est mon oncle. Il sait que tu es Spider-Man? Non, ça doit être une coïncidence. Je me dirige vers la station de métro. Donc Aaron qui est... Alors je sais pas si c'est partout pareil, mais qui est de base le rôdeur. Ah, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Vous avez demandé de l'aide? Je suis Spider-Man, au fait. Ouais, je sais. Aaron Davis. Je crois que quelqu'un a touché au capteur. Je reçois des données corrompues du relais principal en haut de Grand Central. J'y vais. Attends. Toi? Où il est, l'autre Spider-Man? Oh, il est en vacances. Mais vous en faites pas. Je gère. Il avait vachement confiance en moi, hein. Il avait hésité, hein. Bah, il appelle via l'appli. Ici Spider-Man. Hé, hey, j'ai oublié de te dire. Il y a eu un cambriolage à côté la nuit dernière, à Roxanne Plaza. Un groupe appelé l'Underground. Il traînait à ma station ce matin. L'Underground. Vous savez autre chose sur eux? Ils se considèrent comme la nouvelle mafia. Ça fait un bout de temps qu'ils existent. Mais ils ont un nouveau chef. Tinkerer. Merci pour le tuyau. Et sinon, vous appelez souvent Spider-Man? Genre, pour lui demander de l'aide. On pouvait pas vraiment te joindre avant cette application. Mais je t'ai vu arrêter Rhino au journal télé hier soir. Je me suis dit que t'étais la personne à appeler. Cool. Et ça fait longtemps que vous travaillez dans le métro? Non. J'ai commencé l'année dernière, mon frère et... Enfin, bref, j'avais besoin de changement et je me suis dit que ce boulot était un bon début. Mais les trains qui tombent en panne pendant mon service, ça la fout vraiment mal. Eh ben, quand on aura résolu le problème, vous pourrez dire à votre patron que vous avez fait preuve d'initiative en utilisant l'appli araignée sympa du quartier. J'y manquerai pas. Bonne chance avec les capteurs. Merci. Ok, ouais, des fois je parle pas, ça permet d'écouter, de voir ce qu'ils vont dire de bien. C'est cool. Puis en même temps, bah comme ça, on... Ah, c'est ici. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il y a beaucoup trop de câbles sur celui-là. Ça doit interférer avec le signal. Appuyez sur R pour scanner. Ils vont où ces câbles? Ah, ils vont là-bas. Je dois aller dans cette
Comment je rentre? Ah, la porte d'entrée, elle a l'air d'être fermée, hein. Ah, en fait, il faut l'ouvrir. Faut qu'on l'ouvre nous-mêmes. Ah. Lorsque les ennemis ont des symboles... Il y avait encore un mec chelou. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah, il y a quelque chose là. Ah, il y a une caisse avec les mecs chelous. Ça doit être leur logo. C'est du matos de dingue. Ça me plaît pas, mais... Les capteurs remarchent. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis occupé des types qui jouaient avec. Et on dirait qu'ils ont oublié quelques-uns de leurs gadgets. Je vais devoir vous rappeler. Waouh! Je peux m'en servir pour fabriquer les holodrones que Pete a conçus. Les caches de l'Underground contiennent des pièces high-tech afin de fabriquer des tenues, modes de tenues, modes de lentilles, amélioration de gadgets. Alors, appuyez sur A pour fabriquer le holodrone. Ok. Le holodrone. Voilà. Débloquer de nouveaux gadgets et améliorations grâce aux jetons d'activité et aux pièces high-tech. J'ai jamais vu ce genre de fréquence radio. Je peux peut-être la pister. Il y en a pas mal d'autres du même genre ailleurs en ville. Ok, et ça donnera aussi des jetons. Ok. C'est l'heure d'essayer mes nouveaux holodrones. Appuyez sur RB pour les gadgets. Et donc après... Ah, on maintient RB et on appuie RB pour l'activer. Ok. Toi, une claque dans ta gueule. C'est mérité complètement. Bon, toi, on va te faire un bon finish dans ta gueule. Et si je fais ça, je peux l'enlever le drone? Ah, je crois que je l'ai enlevé tout seul. Oui, c'est détruit. Ok, on va se recharger en termes de vie quand même. Ouh, j'ai fait une bonne esquive là. Ouh, je l'ai esquivé de peu. Toi, tu dégages. Toi, tu me donnes ton arme. Toi, je te mets KO. Toi, je te mets ça. Un finish dans ta gueule. Moi, toi, avec tes points, tu dégages. Tu te défendras plus comme il faut. Et toi, bon, votre finish. Et à mon avis, ça va être des criminels à défoncer. Obligé. Parti. Je voudrais demander à Oncle Aaron. Quoi? Oui, monsieur Davis. Qu'est-ce que ça donne chez vous? Le signal est revenu, mais toujours pas de train sur les voies. Il a dû se passer quelque chose au dépôt. C'est l'Underground qui avait touché à vos capteurs. D'ailleurs, vous savez si Roxxon utilise le métro pour transporter du uniforme? Roxxon? Le métro a été conçu pour transporter des gens, pas de marchandises. Mais il y a eu des changements sur cette ligne quand Roxxon Plaza a été ajouté. Alors, il pourrait l'utiliser de façon clandestine. Je vais y regarder de plus près. Vous me parliez d'un frère. Est-ce que vous avez de la famille? Je les ai pas vus depuis longtemps. J'ai dû faire des changements, prendre ce boulot. Mais il me manque. Surtout mon neveu. On faisait du son ensemble. Vous pourriez peut-être le revoir maintenant. Enfin, les revoir, votre ami. J'espère. Bon, je vous laisse. Je dois combattre l'Underground. A plus. Ok, donc il parle bien de son...
Ah, ça doit être en bas. Ouais, la cachette de l'Underground, c'est ici. Voilà. Peut-être que maintenant, je vais pouvoir y rentrer. Là. Ok. Eh ben, c'est cool. Une pièce high-tech. Donc ça c'est cool de savoir. Donc là je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là il faut encore aller voir l'Underground. Bah, on va faire ça avant de se laisser quand même. Voir ce qu'il y a à faire. Allez, let's go. On prend un peu de vitesse. Quand même. Et wouh, c'est franchement c'est cool de se balader hein. Même s'il y aurait des TP, des points rapides pour se TP instant, ce serait du gâchis. Heureusement qu'ils n'ont pas fait un truc comme ça. C'est trop bien de se balader en Spider-Man. Ah, on se souvient de l'époque hein, où on pouvait jouer à des Spider-Man et ils arrivaient à s'accrocher dans les nuages. À l'époque, hein, c'était pas pareil. Mais ça nous faisait autant kiffer. On va pas se mentir. L'Underground, ça cache tout. Je peux peut-être les arrêter discrètement. Allez, évadez-vous. Donc, ok. Appuyez sur LT pour viser un objet. Oh! Ça va laisser une trace. Appuyez sur machin pour afficher. Ok. Et lui, on peut l'éliminer. On va chercher des ennemis. Je devrais essayer les lentilles de Peter. Cool. Ok, donc ça c'est les lentilles. Bon allez, c'est pas grave, on n'a pas été discret, c'est pas grave. Qu'on peut faire au moins notre fight. Non, toi tu dégages. La petite baston, ça fait toujours du bien. Le petit finish pour la meuf. Ou le mec, non le mec. Pour toi mon gars. Bah jamais tu pourras nous arrêter depuis un bon moment là. Depuis l'épisode 1. Enfin depuis cet épisode plutôt, depuis l'épisode là. Je vous défonce tous les mecs hein. Un finish pour toi. Attention, ça va faire mal. Ouf, le double attaque que j'ai mis dans sa gueule. Toi, un finish. Comme ça, au moins, toi, on te one-shot, tu dégages. Toi aussi. Et c'est bon, ils sont tous battus. Et bah, ça, on le fera dans le prochain épisode. De remettre les tout ça tranquillement. On fera ça dans le prochain épisode, les amis. Là, on a déjà bien avancé. Dans le prochain épisode, on les remettra. On remettra donc tous les trucs comme il faut par rapport à notre mission.
En tout cas, les amis, c'était cool. Là, il y a eu de la parlotte, mais il y a eu aussi quand même pas mal de petites bastons. Donc, on a découvert nos ennemis, l'Underground. Donc, on verra au prochain épisode si on en saura peut-être un peu plus. En plus, on doit trouver des caisses dans les... dans tout New York. Il y a plein de caisses. Il y a aussi plein d'autres trucs à récupérer pour, par rapport au truc d'entraînement de Peter. Donc, on verra bien. Il y en a, bien sûr, que je ferai hors vidéo pour pas que vous vous tapez tout le temps les mêmes trucs hein, que les jetons. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine pour la suite de Spider-Man Miles Morales. Allez, ciao, ciao, Mina.